Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Oh, Jésus est vivant, Jésus est présent. Alléluia, amen, amen. Jésus est puissant, Jésus est glorieux. Alléluia, amen, amen. Oh, élevons Jésus. Élevons Jésus, élevons Jésus, amen. Oh, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, amen. Alléluia. Jésus est ici, il veut te parler. Amen, amen, alléluia. Jésus est puissant, il veut te changer. Alléluia, amen, amen. Oui, Jésus est présent, il veut te parler. Alléluia, amen, amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, amen, alléluia. Oh, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, amen, alléluia. Il ne te change. Nous transformer. Alléluia, amen, amen. Oui, Jésus est puissant, il est le bon berger. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Levons-nous s'il vous plaît, nous lisons un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 99, 99, psaume chapitre 99. Psaume chapitre 99, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Alléluia. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exaucas. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous
sur sa montagne sainte, exaltez l'Éternel et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Seigneur, merci encore pour ce moment béni que tu nous as donné, la grâce de pouvoir être là, dans ta maison à toi, pour louer ces noms merveilleux et glorieux, les noms de notre Rédempteur, mon béni, mon Père Saint-Dieu, qui a payé le prix du rachat et qui nous conduit encore aujourd'hui. Nous te remercions vraiment, Père Saint-Dieu, pour ton bras puissant et élevé, Seigneur, oh, qui a manifesté réellement ton autorité, Seigneur, parce que tu as dominé et tu domines encore sur tout, mon béni, mon Père Dieu, et tu as vaincu, mon béni, Père Tout-Puissant. Nous te sommes vraiment reconnaissants en cette journée encore, mon béni, mon Père Saint-Dieu, que nous avons pu avoir la grâce de voir le soleil qui s'est levé, Seigneur, et de rassembler avec ce peuple qui est à toi, mon Sauveur, pour chanter ton nom, Père Tout-Puissant, Dieu, pour glorifier, oh Dieu, Père Tout-Puissant, c'est que toi, tu es mon béni, mon Père. Merci pour ce moment béni, Père. Merci pour chaque cantique, mon Père, qui a été chanté, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Merci aussi pour chaque cœur qui s'est encore humilié encore aujourd'hui, bien-aimé, pour réellement s'attacher davantage aussi à toi, Seigneur. Merci encore pour ta main puissante, mon roi, qui a protégé, qui a soutenu, qui a aussi pourvu pour que nous puissions être en bonne santé aussi aujourd'hui, bien-aimé, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir ces rassemblements possibles, Père. Louange et honneur à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Toi qui nous as réellement aussi racheté, bien-aimé, Père Dieu. Et nous sommes à toi. Et nous avons vraiment acquis un grand prix, mon bien-aimé, Père. Merci encore pour le psaume. Merci, Père Saint-Dieu, pour, oh Dieu, les témoignages aussi, bien-aimé, Père Tout-Puissant. Merci, oh Dieu, pour la victoire que tu nous as donnée, Père Tout-Puissant, Dieu. Nous étions bas, mais tu nous as relevé, bien-aimé, Père Tout-Puissant. Merci, que ton nom soit célébré, Père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi là ce matin, dans leur pays là-bas, Père Tout-Puissant, Dieu, connectés, Père Saint-Dieu, pour être en communion aussi avec nous ici. Nous pensons à eux, nous prions pour chacun d'eux, bien-aimé, Père Tout-Puissant, aussi pour leurs enfants, Père Tout-Puissant, Dieu, pour tous qu'ils ont, leur son cher, bien-aimé, Père Dieu, que tu le consoles, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, mon roi. Sois béni encore aujourd'hui, Père Saint. Merci encore pour la présence de chacun, Père Tout-Puissant, ces lieux encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, pour le soutien et le secours que tu nous as daigné nous apporter. Nous te remercions, Père Saint-Dieu, pour ton soutien, ton secours et ton amour à notre endroit, quand nous avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu. Qu'il soit vraiment glorifié et exalté pour ses bienfaits à notre endroit. Que le Seigneur vous bénisse.
Vous pouvez vous asseoir. Nous ne cessons jamais de pouvoir le répéter et le dire aussi, comme les Saintes Écritures nous rappellent aussi cela, que c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. C'est une joie de pouvoir voir chaque frère aussi et chaque sœur, car la communion est quelque chose de très important, celle que le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi permis que nous puissions avoir. Et c'est ce qu'il a aussi à pouvoir recommander aussi dans les Saintes Écritures. Et nous soupirons après cela. Nous soupirons à ce que nous puissions nous retrouver ensemble et devant sa face pour pouvoir le louer, le glorifier. Et surtout aussi pour qu'il nous accorde la possibilité de pouvoir être souvent aussi attentif et d'entendre aussi les directives qu'il nous donne pour un temps comme celui-ci dans lequel nous nous trouvons, parce que nous voulons vraiment être vraiment sûrs et certains que le Seigneur est celui qui nous conduit, de peur que nous puissions avancer sur un chemin dont on pense que c'est chemin, et c'est vraiment le chemin où le Seigneur notre Dieu s'y trouve, alors que nous sommes vraiment loin de là où il a voulu que nous soyons. Nous avons donc ce désir le plus profond de notre cœur, avec beaucoup de supplications, des larmes aussi devant sa face, pour qu'il nous accorde vraiment ce privilège de pouvoir vraiment le voir aussi agir dans la vie de chacun de nous, afin que, surtout pour nous rassurer davantage que nous sommes à lui et il est aussi à nous et que nous marchons conformément à sa volonté. Nous sommes aussi de ceux-là qui sont censés pouvoir réellement aussi se positionner selon la parole de Dieu afin de pouvoir se conditionner pour que ce que le Seigneur a comme désir, il puisse vraiment l'accomplir au travers de nous. C'est pour ça que les Saintes Écritures ne cessent de pouvoir nous le répéter en disant « Aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas donc vos cœurs. » Que le Seigneur nous donne un cœur qui est sensible et un cœur de chair, effectivement, qui a cette capacité de pouvoir réellement être touché et aussi pour pouvoir aussi accepter aussi la correction et arriver à pouvoir aussi se laisser tondre par le Seigneur pour que il soit ramené et positionné effectivement comme le Seigneur le désire. David disait que l'Éternel est mon berger et c'est celui-là qui me conduit dans de verts pâturages. Et si il est notre berger, c'est que il doit être notre conducteur et notre guide, et c'est lui qui doit nous montrer aussi effectivement ce que nous devons faire et comment aussi nous devons donc avancer. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui sont donc conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Il y a cet aspect des choses que nous devons considérer, parce que il faut que nous soyons rassurés que réellement que nous sommes donc conduits par l'Esprit de Dieu et non par notre propre esprit, ou non par notre propre pensée, ou par notre propre logique et notre compréhension, parce que il y a cette liberté chez l'homme que Dieu lui a donnée depuis donc que l'homme a été donc créé, c'est cette libre arbitre de pouvoir réellement choisir lui-même ce qu'il veut, et non pas quelque chose qu'on doit lui imposer, et surtout pas Dieu n'impose rien. La personne, il montre simplement la voie et qu'il place donc devant l'homme le bien donc, et le mal aussi, effectivement aussi, que c'est à l'homme de pouvoir réellement choisir, effectivement, soit c'est la bénédiction ou soit c'est la malédiction. Mais jamais le Seigneur ne peut arriver à pouvoir obliger ou forcer même quelqu'un dans la voie pour qu'il puisse arriver à pouvoir se sentir vraiment très obligé de pouvoir réellement, ce qui est bon, alors que si je ne le fais pas, ben je vais mourir, j'en sais rien, mais ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu, mais il a toujours voulu que l'homme soit heureux, en fait. C'est-à-dire que
Il faut que l'homme possède toutes ses facultés, ses capacités, se sentir effectivement aussi dans le bonheur et dans la joie de pouvoir faire son choix. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Je pense qu'il y en a de ceux qui, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de pouvoir voir, ou soit qui étaient partis en voyage, c'est plus très bien, mais je suis heureux ce matin de pouvoir quand même voir que le Seigneur a accordé la grâce que nous puissions être là. Je le remercie de tout mon cœur, parce que ces rassemblements que nous avons ont vraiment un sens et aussi une raison. Et c'est à nous de pouvoir réellement ouvrir les yeux et aussi les oreilles et le cœur effectivement aussi pour que nous puissions comprendre, réaliser ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire effectivement avec nous. Vous savez, lorsque nous nous accrochons à la parole de Dieu et surtout quand nous nous tenons dans la présence de Dieu avec des bonnes dispositions, c'est à ce moment-là que nous comprenons et que nous réalisons ce que le Seigneur est en train de faire. Je pense que dans le psaume 89, il dit qu'ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé, je pense. Et je crois que aussi que si nous nous tenons dans la position crainte et du respect en face du Seigneur, notre Dieu, c'est sûr et certain qu'il va très certainement aussi agir aussi pour nous. Et il nous permettra que nous puissions comprendre effectivement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que notre Seigneur et notre Dieu est toujours en action jusqu'à ces jours. Non. Et c'est sûr et certain parce que dans le livre de Romains, chapitre 11, je pense que c'est cela, verset 25, vous connaissez cela. Ah, il nous est dit que c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, le Seigneur travaille. C'est peut-être que, mais je crois que nous devons être conscients qu'il travaille effectivement pour que le dernier puisse vraiment entrer. Parce que le peuple d'Israël, comme vous le voyez, il est en train de soupirer. Et je mire effectivement, à cause de ce que vous pouvez voir géographiquement, toute la pression du monde effectivement. C'est Jérusalem, tout ça sera foulé aux pieds, hein, jusqu'à ce que le temps des nations soit donc accompli. Donc nous comprenons et nous devons être conscients que nous ne devons pas être comme ceux qui sont dans ce monde, comme des aveugles, puisque le Seigneur il dit, ben, laissez donc les aveugles conduire les aveugles. Ça, je crois qu'il savait très bien ce qu'il disait. Et nous, nous devons être de ceux-là qui sont donc éveillés aussi, qui ont les yeux pour voir, et aussi l'action du Seigneur par l'imagination que nous sommes, nous voyons alors que nous ne voyons rien. Il faut que quand nous disons que nous voyons qu'effectivement que le Seigneur est vraiment en action, et que sa parole est la vérité, lorsqu'il dit la chose arrive certainement, et ce qu'il a eu à pouvoir prédire effectivement, eh ben ce sont les choses qui se mettent en place. Chaque période de temps, chaque année qui passe, il y a toujours une parole du Seigneur qui s'accomplit. Dans le temps dans lequel, parce que, n'oubliez jamais ce que vous pouvez entendre, frères, sœurs, c'est que ceux qui étaient du temps d'Éphèse, ils ont fait l'histoire de l'âge d'Éphèse. Ce qui veut dire que pendant tout le temps que l'âge d'Éphèse était là, Dieu agissait et que son peuple était aussi en action. Pendant ce temps, lorsqu'il a appelé Noé, effectivement, pour que Noé puisse travailler, qu'il fasse ce que Dieu lui avait demandé. Pendant tout le temps que Noé travaillait, Dieu était aussi à l'œuvre. Ah ben oui, Dieu était en action, c'est sûr et certain. Jusqu'à ce que le temps qu'il était imparti à Noé, si autant le peuple, aussi au peuple qui était là, arriva. Et que Noé termina donc l'arche. Vous voyez que pendant que Noé travaillait, l'arche n'était pas encore terminée, Dieu était toujours là, patient. Jusqu'à ce que, lorsque l'arche a été terminée,
il est merveilleux. Je me suis toujours posé la question de pouvoir savoir comment parfois un homme qui doit être plus intelligent qu'un animal, tout de même, l'homme quand même est doté d'une intelligence parce qu'il doit dominer sur les animaux. Et l'esprit animal est inférieur à l'homme. L'homme qui est doté de cette capacité de pouvoir même dompter, diriger les animaux parce que c'est à lui que Dieu lui a donné. Comment ne pouvait-il pas arriver à pouvoir se poser les questions quand il pouvait voir des animaux qui quittaient la forêt ou l'endroit où ils étaient effectivement un en un. Et puis on nous dit bien couple. Tout de même, quelque part, même si on est un fou, on peut quand même s'arrêter. On dit chaque espèce de don. Donc chaque espèce couple. Donc ils venaient deux à deux. Et même si on peut dire que là, je vois, mais quand même, les yeux de ces hommes ont pu voir. Et puis, ils ont vu que ce monsieur ici n'était pas un fou. Quand il nous parlait, effectivement, on pensait qu'il était un fou, effectivement. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. On voit, il mettait du bois, il mettait ceci, on voit, mais qu'est-ce qu'il tentait de pouvoir faire d'abord? Il n'a jamais plu. Et c'est vrai, cela. La science était au top, mon frère et ma soeur. Comment c'est temps, nous sommes? Les gens avaient foi et confiance dans la science, parce que c'est vrai. Ils ont envoyé des sondes, il n'y avait rien, il n'y avait rien, 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 ils ne pouvaient pas le voir. Oh! Vous vous souvenez? Quand Dieu cria, il a mis l'étendue, n'est-ce pas? Il y a eu des eaux au-dessus de l'étendue. Il appela l'étendue ciel. Des eaux qui étaient au-dessus de l'étendue et des eaux qui étaient en dessous de l'étendue. C'est écrit de Genèse. Et ça, il ne savait pas. Il pouvait même aller au-dessus de l'étendue. Il ne verrait rien. Alléluia! Gloire au Seigneur. Oh, la foi est une puissance. Vous savez, quand on définit la foi, on dit, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. C'est-à-dire que c'est une chose dont nous sommes plus sûrs et certains que ce que nous voyons. Donc, parce que cet homme Noé, malgré les moqueries des gens, il continue à pouvoir toujours mettre du bitume. Hein. On s'est moqué de lui, il est un fou, il est malade. Il regardait bien, il comprend rien du tout, il n'a jamais plu, on n'a jamais vu la pluie, il continue à travailler. On se moquera de toi, frère. On se moquera de toi, sœur. Mais persévère. Ne sois jamais découragé. Parce que ce que le diable cherchera à pouvoir faire pour toi et ma soeur, mon frère et ma soeur, c'est que c'est le découragement, la déception, le découragement, c'est ça son arme. Mais Dieu t'a dit à toi et à nous tous, il nous a dit, il dit, mais vous avez besoin de la persévérance. Nous en avons besoin, mon frère. Nous en avons besoin. La persévérance. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que notre adversaire, le diable, il ne va pas te laisser tranquille. Il viendra avec la maladie, il viendra avec les problèmes des enfants, il viendra dans tout ça parce que il veut te secouer quelque part. Pour te décourager, par-ci, par-là. Donc tu dis, tu fais les efforts pour dire, Seigneur, je veux m'accrocher. Mais il viendra avec un problème. Il viendra avec une situation. Pour que tes yeux, toi, te tournent de là où tu te trouves pour régler les problèmes. Et quand tu regardes les problèmes, on faiblit. Amen, amen. Amen, amen. J'ai toujours aimé cette femme. Et vous savez, c'était une païenne, hein? Pas une fille d'Abraham, non. Une syrophénicienne. Frère, c'est Seigneur notre Dieu, il est tellement bon pour nous instruire, nous. Cette femme, elle vient avec un désir profond dans son cœur d'étermination pour dire que venant, mais j'ai trouvé la personne, mais il entend qu'effectivement que ceux qui sont autour de la personne, il dit, mais renvoyez-la. Et la personne ne dit absolument rien. Ce qu'elle pouvait dire. C'est toujours, c'est vrai que si vous pouviez vous mettre à la place de cette personne, déjà quand on nous dit quelque chose un peu, on ne supporte même pas beaucoup. En plus, c'est lui vers qui il allait, c'était le Seigneur lui-même.
Puis on dit, mais chasse-la, renvoie-la. Mais elle criait toujours. Elle ne s'est pas laissée décourager du tout. Jusqu'à ce qu'elle approche encore auprès de la personne qui ne parlait pas, vous savez, et puis qui se trouve maintenant pour parler. Vous pouvez dire, mais viens quand même. J'ai demandé, viens tout le monde dire, non, elle attend une bombe qui sort. Vous savez, Dieu sait tester la foi des gens. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Je peux dire aux étrangers, mais là, elle a dit aux chiens. Ça doit être considéré comme un chien. Si on te dit ça aujourd'hui, je crois que tu ne viendrais plus ici. C'est sûr, c'est certain, frère. Déjà, il suffit qu'une petite remarque qu'on t'a fait, on ne te voit plus. Juste par une remarque, on ne te voit plus. Mais si on te dit maintenant que tu es un chien, puis sœur, comme tu t'habilles, tu es comme une chienne. C'est l'entendre, hein? Il est ose même. Moi ici, moi, me traiter de chienne. Vous le direz. Et Dieu te bénisse, ma bien. Vous le direz. On va vous entendre des bruits ici, des téléphones. Oui, moi, il m'a traité de chienne. Moi qui ai fait 640 ans dans le message. Traitez-moi de chienne. C'est comme si, des chiennes, évidemment. Oui. Le Seigneur a eu à pouvoir dire à la femme qu'elle était une chienne. Alors, la persévérance a pris le dessus. Et c'est pas regarder elle, il dit non, non, j'ai un objectif. Frères et sœurs, il y aura une pression sur vous. Parce que le monde ne sera pas content que vous soyez pas comme le monde. On va vous faire pression. Mais vous devez savoir qui vous êtes. N'oubliez jamais, frères et sœurs, ne vendez jamais votre droit d'aînesse. Pour rien au monde. Et vous connaissez la suite. La femme a dit, les chiennes mangent les miettes. Que Dieu te bénisse, ma sœur, qui tombe en dessous. Ah non, frère, j'ai dit, il y a de quoi que le Seigneur l'œil regardé. Non. Il dit, femme, ta foi à toi, elle est grande. À l'instant même, sa fille était délivrée. La persévérance. Mais regardez, avant d'arriver à ce qu'elle désirait, quelles sont les barrières? Mon frère et ma soeur, quelles sont les barrières avant d'arriver à ce que désirait que Dieu lui donne? Elle a les barrières, effectivement aussi. Des combats, des difficultés. Mais il ne s'est pas découragé. Il a persévéré davantage. Parce qu'il savait que ça, c'est ce que Dieu lui avait dit. Bien sûr qu'auprès du Seigneur, et quand nous, c'est vrai, nous devons connaître ce Dieu qui nous a donc appelés. Donc, nous devons être surtout conscients de ce que nous sommes aux yeux du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire afin que nous puissions aussi nous examiner si très certainement nous sommes dans le plan et l'action de Dieu pour le temps dans lequel nous vivons. Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres, mais il nous a envoyé la lumière. Comme vous le savez, dans Zacharie, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière a vraiment paru. Et nous remercions notre Dieu de ce qu'il s'est manifesté pour nous prouver que son nom soit béni, que c'est Jésus de la Bible. Il ne peut pas changer, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes bénéficiaires de ce que les Saintes Écritures
ont eu à pouvoir donc proclamer. Donc nous devons être conscients que lorsque Dieu a éclairé, c'est pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Puisque la lumière brille. C'est quand la lumière est ici que vous êtes là, vous voyez. Mais lorsque vous quittez la lumière, vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez pas voir. Donc il faut que je marche avec la lumière. Je dois être là où se trouve. Voilà. C'est ça le problème. Parce que si je m'éloigne de la lumière, c'est sûr et certain qu'au fur et à mesure que je m'éloigne de la lumière, effectivement, moins je vois. Je commence à voir, dire, c'est que je vois peut-être, parce que à ce moment-là, plus loin de la lumière, c'est ça, les ombres, et puis à ce moment-là, on ne voit pas tellement très bien, et puis on commence à dire, qu'est-ce que je vois là, c'est frais, c'est tel frais, parce qu'on ne voit pas tellement très bien. Mais quand on est pour la lumière et qu'il est dans la lumière, nous voyons bien. C'est ça la chose que nous devons comprendre. Et je prie que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions être vraiment conscients et surtout être dans la chose que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire. Heureux de pouvoir voir mon frère Daniel avec sa famille. Que Dieu te bénisse richement, mon frère, avec tous tes enfants. C'est vrai que nos frères habitent là aussi, ils ont des difficultés aussi, mais nous prions pour eux. La blessure. Alors nous disons qu'il nous est nécessaire de pouvoir réellement se poser la question, de pouvoir savoir est-ce que nous sommes vraiment dans le programme de Dieu. Pour que nous soyons dans le programme, il faut que je sache quel est aussi ce programme. Parce que je ne sais pas quel est ce programme, comment je peux dire que je suis dans le programme. Donc je dois quand même savoir quel est le programme de Dieu pour le temps dans lequel moi je vis. Et qu'est-ce que Dieu cherche réellement et qu'est-ce que Dieu veut réellement pouvoir aboutir avec. C'est important ça. C'est à ce moment-là qu'on comprend, on va accomplir effectivement l'action de Dieu. Si on se pose la question, alors dans cela, est-ce que je suis dedans ou je ne suis pas dedans? Qu'est-ce que Dieu cherche vraiment dans un temps comme celui-ci? Je pense que chacun de nous doit le savoir et il essaye. Qu'est-ce qu'il dit, effectivement? Il me dit, mais sortez du milieu d'eux. Vous le connaissez, non? Parce que, après chapitre 18, verset 4, je pense, hein, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple. En fait, c'est l'appel donc, c'est important que vous compreniez, parce que nous allons lire tout à l'heure l'écriture, l'appel donc à sortir d'un endroit. Maintenant, posons-nous la question, parce que c'est ce que Dieu a dit. Sortez, il n'a pas dit entrez là, mais sortez du milieu d'eux. Donc Dieu veut, en fait, c'est ça le programme, hein? Dieu veut que je sorte. Maintenant, je me pose la question, ça va me sortir d'où? C'est là que nous disions tout à l'heure qu'effectivement, il faut que je me pose la question de pouvoir savoir si je suis dans le programme. Parce que pour que je sache le programme, je dois d'abord connaître quel est le programme. Et ce programme n'est pas mon programme. C'est le programme de Dieu. Donc je vais et j'ai le désir de me retrouver non pas dans mon programme, mais dans son programme. Alors pour me retrouver dans son programme, je dois abandonner mon programme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui monsieur, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Voilà pourquoi, pour entrer dans son programme, moi, comme je dois abandonner mon programme, je viens, je lui dis, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte. Lorsque l'apôtre Pierre a eu à pouvoir prêcher la parole et démontrer le programme de Dieu et l'action de Dieu pour ces temps-là, effectivement. Ceux qui ont eu à pouvoir entendre effectivement la parole et qu'ils ont vu effectivement, mais ces gens sont donc dans l'action et dans le programme. Alléluia! Oui, monsieur! Parce qu'ils ont entendu qu'il dit, mais il dit, ces hommes ne sont pas ivres.
C'est ici l'accomplissement de ce que était dit par la fois dans Joël, chapitre 2. Dans les derniers jours, dit l'Éternel notre Dieu, je répandrai mon esprit. Voici mon programme. Gloire au Seigneur. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voici le programme. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici le programme. Et ces jours-là, on pouvait le voir. Carrément que ces hommes-là étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ils étaient dans le programme. Gloire au Seigneur. Et que ceux qui écoutaient tout ça se trouvaient que nous sommes en dehors du programme. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous êtes vraiment dans le programme. Mais nous sommes en dehors. Voilà. C'est pour ça, alors que vous m'avez touché, il dit, oh homme frère, voilà. Que ferons-nous? Amen. Alléluia. Amen. Pour entrer dans son programme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, que Dieu nous aide, mon frère. Amen. 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 Que Dieu nous aide, ma soeur. Amen. Amen. Il faut que nous comprenions que nous avons notre propre programme. Et le Seigneur notre Dieu a son programme. Amen. Amen. Si moi maintenant je dois entrer dans son programme, allons-y. Je dois abandonner mon programme. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que je marche avec mon programme. Amen. Je pense selon mon programme. Amen. Mais maintenant je veux son programme. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si je entre dans son programme, ah oui. Je dois penser selon son programme, Amen. Marcher selon son programme. Amen. 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 Voilà beaucoup à leur cœur a été vivement touché. Ils ont réalisé que, oh, alléluia, dit, mais ici, nous sommes vraiment dans l'action réelle de ce que nous vivons et nous voyons cela. Et nous sommes conscients que nous ne sommes pas dedans. Ok. Sans l'ombre d'un doute. En fait, ils ont réalisé sincèrement. Parce que souvent, on est hypocrite soi-même. On se trompe soi-même. Ah, on s'efforce de voir, dire, je suis dedans. Mais en fait, non, ils étaient sincères. Ah oui, sincère, il dit, oh homme frère, qu'est-ce que vous, c'était un cri du cœur. Voilà, c'est ça. Nous voulons savoir comment entrer là où vous êtes. Alléluia. Mais si toi tu es avec eux, comment tu peux les aider à pouvoir entrer dans quelque chose? Et donc tu parles simplement, tu n'es pas dedans. Vous voyez, mon frère et ma soeur, quand on parle de Jésus, qu'on veut le présenter au monde, il faut que ce Jésus soit en toi. Amen. Amen. C'est vrai. Amen, amen. Parce que tu diras à la personne le bienfait, le bonheur, et la joie, et l'allégresse, et tout ce que tu peux penser. Vous savez, je ne sais même pas si c'était le vocabulaire, il n'y en a pas beaucoup de mots, mais tout l'excellence de du bonheur qu'il te donne. Et lui montrer même qu'il te voit, dit, mais je te vois que tu n'es pas. Non, que Dieu nous aide, j'ai donc. Il faut que quand il te regarde, il voit Jésus. De haut en bas, il dit non. Et pourtant, tu vis dans ce même monde. Vraiment. Tu supportes, tu dis comme ça que les gens te critiquent. Il dit, mais les critiques, je dis, ça passe par là, ça ne fait plus rien. À cause de l'excellence de connaître ce Jésus, comme l'apôtre Paul l'a dit. C'est tout ce qui se trouvait comme comme étant de la boue et de la perte. À cause de l'excellence de la connaissance de ce Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Amen. J'ai accepté d'abandonner tout, d'être humilié, d'être insulté, parce que j'ai trouvé la perle précieuse. Amen. Alors, j'ai vendu tout. Amen. Amen. L'honneur, la gloire, le prestige, le ceci et le cela, le ceci et le cela. J'ai tout vendu. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Ah, vous dites, mes frères, mais vous vous souvenez de ces jeunes hommes riches? Oui. Il a tout cité, ce qu'il a fait, tout ça. Ouais. Et le Seigneur, quand il l'a regardé, il l'a aimé. Puis il le regarde encore. Il dit, va. Vends tout ce que tu as.
dans lequel il avait tout ça, il s'était vide. Mais oui. Oh frère, il avait bien fait, mais il était vide. C'est la vérité, c'est un beau sort. Personne n'est jamais monté au ciel, c'est le ciel qui était au ciel et qui est fils de l'homme qui est au ciel. C'est vrai. Ah, comment respire bien. Vous dites, mais pourquoi il dit qu'il avait été vide? Mais vous vous souvenez des chaubes. C'était merveilleux ce qu'il était, effectivement. Mais il lui fallait quelque chose de plus. Oui, bien sûr que oui. Pour qu'il puisse réaliser ce qui lui était nécessaire pour combler les vides. Dieu l'a mené par la voie que vous ne pouvez pas accepter. La voie de l'épreuve. Il lui a enlevé tout ce qui lui était aussi cher dans sa vie. Oh, qu'il nous aide à pouvoir le connaître. Il l'a dépouillé de tout. Oui. Jusqu'à ce que l'homme dise, je suis sorti, je suis venu nu. Alors qu'il avait du troupeau, alors qu'il avait une femme, qu'il avait des enfants, il avait tout ça, tout, il était riche. Mais Dieu a. Oui. L'homme, même son corps, frappé de maladie, même les amis, même les connaissances, tout il a tout enlevé. Il est resté seul. Il pouvait s'appuyer sur personne. Il descendait. Eh oui. C'est à ce moment-là qu'en descendant, quelque chose l'a frappé. Elle s'est passée. C'est ainsi qu'on voit un homme qui n'avait plus rien, vidé de tout, qui ne pouvait simplement que continuer à pouvoir pleurer. Il se lève avec une telle audace, une telle assurance, mon frère, qui se tient debout même là devant les gens, qui dit, mais que mes paroles à moi soient écrites avec un burin. Donc, c'est, oh non, frère, toi et moi, on ne peut pas dire ça. En plus, dans l'épreuve, il a tout, on a tout pris. Et puis, il se lève, il dit, mais que mes paroles soient écrites avec un burin, gravé même dans le roc. Il dit, maintenant, je sais une chose, amen, que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. Il dit, même si ma chair ici était décomposée, pourrie, maintenant je sais que je l'ai. Amen. Il dit, quand il viendra, amen, mes yeux à moi le verront. Et c'était ce Jésus-là. Amen. Alléluia. Germe de vie dans la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est la vie de la sémence, monsieur. Gloire au Seigneur. Croire en lui, ça va la vie. Oh, que son nom soit béni. Parce que tous ceux qui ont vécu avaient foi en lui, qui allait venir, en ce Jésus. Bien sûr, c'est ça qui faisait vivre la parole. Amen. Espérance en lui. Eh oui, frère et ma soeur, nous devons être conscients de ce privilège et surtout que une grâce merveilleuse que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordée à nous. Amen. À nous. Et surtout, nous sommes arrivés dans ce siècle ici. Comme nous le disions, tout ce qui s'est passé dans les temps, là était pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus donc à la fin de ces siècles. Et nous le disons autrefois, peut-être que vous ne prêtez pas attention, c'est que nous, qui avons cru à la parole de Dieu, nous serons sévèrement jugés. Je pleure, je prie pour vous et j'implore la grâce du Seigneur
pour que vous puissiez être conscient. Mon frère et ma soeur, ne jouez pas avec ce que vous entendez. Parce que ces jours-là, il n'y aura personne à côté de vous. Même toutes ces personnes que vous voulez plaire, ainsi de suite, effectivement, il n'y aura personne à côté de vous. Votre patron ne sera pas là. Tous vos ministres que vous pouvez n'être personne. Personne. Écoutez bien, personne. Tous ceux pour qui vous voulez faire tout ce que vous pouvez faire comme compromis, tout ça pour eux. Personne. Vous serez dans les ténèbres. Et vous serez seul. N'oubliez pas ce que vous entendez. Je vais encore vous rappeler. Avant vous, avant nous, il y a eu aussi des gens qui ont vécu aussi. Vous n'êtes pas les premiers chrétiens. Avant vous, il y a eu des chrétiens. C'est pour ça que j'ai dit, sœur, vous donnez tellement, frère, donnez tellement trop de, vous-même d'importance. En vous disant, moi, si je ne vais pas, si je suis, il faut que je sache ceci et cela, vous donnez trop d'orgueil. En fait, vous ne valez rien. Amen. Si vous pouviez simplement regarder, ce n'est pas que Dieu va venir vous supplier. Oh, je m'en... Non, regardez un peu dans les Saintes Écritures, même dans l'histoire, combien ont cru au Seigneur et qui étaient tellement plus persévérants que vous. Parce que quand on parle des dons, les Saintes, Dieu m'a toujours manifesté des dons, mais vrais dons. Quand un petit peu grand, on ne sait pas. Ah, moi, non, mon frère, ma soeur, regardez bien. Dieu n'a jamais manqué de vrais enfants qui, même quand ils vont au lieu des rassemblements, ils tremblent. Ils ont ce respect pour cet endroit. Ils ont ce respect pour la parole qui a prêché. Tout à fait, tout à fait. Ils ne viennent pas avec des involtures. Aujourd'hui, on est tellement trop snob. On se donne des airs, on se donne ceci, parce qu'on se croit qu'on connaît mieux que ceci, que cela, ainsi de suite, effectivement. Or, comme j'ai toujours eu à pouvoir les dire, la Bible dit que la connaissance, elle enfle. Et c'est ce qui se passe dans ces temps où nous sommes. Quand on dit enfler, c'est-à-dire que ça porte l'orgueil. C'est comme vous voyez aujourd'hui. Les gens ont lu des brochures, les gens ont lu ceci. Ils sont tels. Il n'y a même personne qu'on peut même donner un conseil. Okay. Dieu soit béni parce que c'était qui même dans Ésaïe? À qui toi peut-on enseigner la sagesse? Mais tout le monde dit, je connais. Tu veux me dire quoi? Mais je connais. Puis on te dire, un brochure tel, paragraphe tel, tu connais. Mais en fait, ils n'ont que du vide. Voilà. Tout à fait. La connaissance, elle enfle. Mais comme je l'ai toujours dit ici, une connaissance qui vient de Dieu, c'est impossible que ça te donne l'orgueil. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Vous l'avez vu, non? Il était comme... Vous savez, quand il s'est élevé devant nous comme une faible plante, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer ton regard. Homme de douleur, habitué à la... C'est la parole. Jamais l'orgueil, mais toujours l'humilité. Mais si cette parole entre en toi, c'est pas possible que tu deviennes orgueilleux. Alors, dis-moi, alors, comment ça se fait que l'orgueil, puisque les gens commencent à pas dire, nous connaissons, cet orgueil-là vient d'où? Ça, c'est pas la connaissance qui vient de Dieu. Exactement. Ça, ce sont les interprétations que vous avez. Et qu'on vous donne, évidemment, qui fait que ça vous enfle. Mais nous avons besoin de pouvoir revenir dans les choses telles que Dieu le veut. Et comme je disais tout à l'heure, si nous regardons, nous parcourons mon frère et ma sœur, il y en a eu des hommes et des femmes, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, qui étaient tellement zélés, mon frère.
que même on pouvait leur priver de leur bien, de ceci. Vous entendez même dans Hébreux chapitre 10, effectivement, l'apôtre Paul qui les met, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ah, que Dieu nous aide. Ne vous donnez pas trop d'importance en se disant que ceci est de cela. Parce que pensez que vous avez beaucoup plus de valeur. Non, monsieur, avant vous, il y en a eu des vraies sœurs qui s'habillaient comme des filles d'Abraham. Bien sûr, qui ne discutaient rien, de vrais frères qui se conformaient à la parole de Dieu comme les filles d'Abraham. Mais c'est sûr et certain. Aujourd'hui, forcément, mon frère qu'on aimait, vous pensez que vous avez mon frère. Non, 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 non. Et puis, je veux que vous compreniez. Je veux toujours que vous réalisiez, que vous compreniez. Le Seigneur, notre Dieu, ne m'en dira jamais. Des âmes pour dire ils vont pas, je n'aurai pas beaucoup d'âmes pour qu'ils puissent me louer. D'abord, il nous a donné d'abord un exemple. Le jour dans Jean chapitre 6. J'ai toujours aimé ça. Chaque homme, chaque celui qui prêche, effectivement, a toujours besoin de pouvoir faire en sorte que les gens restent ceci et cela, comme vous le savez. Ah oui, parce que c'est vrai. Et alors, ce jour-là, il a parlé, il a prêché une parole tellement dure. De telle sorte qu'il a dit que celui qui ne mange ma chair, j'ai toujours aimé ça, qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, n'aura jamais la vie. Et puis il dit clairement que ma chair est une nourriture et mon sang un breuvage. Va-t-on vivre ou marcher avec un tel homme? Non. Eh bien, ils sont partis. Puis, il se tourne vers ceux qui étaient encore restés, qui le regardaient. Il dit, mais ben, pourquoi vous restez puisque les autres sont partis? Vous aussi, vous pouvez vous en aller. Et il n'a pas supplié en disant, Pierre, tu vois que quand même, toi et moi, tu connais quand même mon appel. Tu connais quand même, mais non. Tu as été avec moi, nous avons marché avec toi, nos frères. Je voudrais que vous compreniez, parce que nous allons entrer dans les choses de Dieu. Que vous compreniez cela, sœur. Que les diables ne vous séduisent pas en vous mettant dans vos têtes, que vous êtes tellement si important, que vous vous sentez que moi je suis, et si je ne veux pas. Non! Vous pouvez. C'est vrai, frère et soeur. Dieu ne m'en dit personne. C'est plutôt moi qui dois réaliser ma bassesse. Réaliser la grâce d'être choisi par ces dieux. Frère, alléluia! On ne réalise pas la grandeur de ces dieux et le privilège que toi et moi nous avons. Frère, ma soeur. Ces hommes-là avaient compris. Ils avaient plus que toi et moi. Oui. C'est vrai, frère et soeur. Ils avaient réalisé l'importance et la grâce que ce Dieu s'est souvenu d'eux, en fait. Et comment ne pas s'accrocher à ces dieux? Nous pouvons voir, par exemple, juste un exemple pour revenir à ça. Un exemple des Corneilles. Quelqu'un qui avait des soldats, qui avait des moyens, parce que c'était un Romain, donc, qui pouvait que commander par-ci, par-là, effectivement, bon, et vous savez comment les honneurs militaires, ils en avaient. Vous regardez cet homme ici, comment il s'est humilié, et puis quand il priait, puis l'ange vient lui dire, tes prières et tes obéissances, mais il tremblait. Il dit, moi ici, le Dieu d'Israël, parce qu'il n'était pas son Dieu. Oui, monsieur. Mais il soupira à ce qu'il soit quand même son Dieu. Alléluia. Il dit, il m'a quand même entendu. Il dit, oui, là, je suis là. L'homme s'est dit, mais c'est pas possible. Je ne suis pas digne. Souvenez-vous du centenier. Le diffusé, il dit, tirez ici, toi, tu es qui? Le centenier le regarde, il dit, oh, je ne suis même pas digne de venir vers toi. Un Romain, s'il vous plaît. Il dit, j'essaie une chose. Dis simplement un seul mot, un mot. Amen, amen. Et mon serviteur vivra. Amen. Ça, les juifs ne veulent pas le dire, monsieur. Non. Amen. Habitué. Il n'avait que l'orgueil. Nous sommes la partie de l'Abraham, nous n'avons jamais été ça des personnes. L'orgueil. Il vous voit les yeux. Ah oui, ah oui, oui. L'orgueil, c'est ça, en fait, qui. Nous savons que nous sommes le peuple choisi des dieux. Peuple choisi des dieux. Mais tu ne connais pas les programmes des dieux. C'est ça le grand problème. Ah oui. Tu ne connais pas les programmes de Dieu.
Tu le loguais, mais non, nous savons, nous ne sommes pas là-bas, mais pensez à Abraham, mais ne vous embêtez, ça ne savait personne. Oh, il dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous verrez les programmes. Voilà. Vous entrez dans les programmes. Exactement. Parce qu'Abraham était dans le programme. Amen. Tout à fait. Amen. Et toi, Dieu, où? Alléluia. Okay. Parce que Abraham a vu mon jour à moi ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci. Donc, si tu étais dans la pensée d'Abraham, c'est dans le programme. Parce que Dieu avait dit, je serai ton Dieu. Amen. Et Dieu t'a possédé après toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais tu me regardes et tu ne vois rien. Vraiment. En dehors du programme. Oh. Nous implorons la grâce de notre Dieu pour qu'il nous aide, mon frère et ma soeur, afin que nous puissions avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas se complaire en soi-même et avoir surtout une trop haute opinion de soi-même. C'est cela. C'est que quand on a une trop haute opinion de soi-même, on est dans son propre programme. Parce qu'on veut que les choses se passent selon mon programme. Voilà pourquoi on se regarde au-dessus des autres, effectivement, ainsi de suite. Mais quand nous entrons dans ce programme, alors il regarde ce centenier romain et il lui dit. Parce qu'il dit, mais je ne suis même pas digne que toi tu entres dans ma maison. Pourtant, Jaïrus voulait qu'il puisse aller parce que sa fille était malade, qu'elle était même dans un état. Via impose-lui la main. Jaïrus était un pharisien, je pense, là-bas, il n'avait même pas eu à pouvoir. Mais quand l'enfant était malade, quelqu'un était malade, seulement on pensait à lui. Et il ne refusait personne. C'est vrai. Et il s'est mis en chemin. C'est en cours de route, en chemin pendant qu'il parlait. Alors, vous voyez, les centenaires qui dit, mon serviteur est malade. Il dit, bon, allons-y. Il dit, allons-y. La réaction était surprenante. Il dit, je ne suis même pas digne. Et pourtant, c'était un homme au gradé qui commandait les gens probablement. Respecté avec des serviteurs là, tout autour de la critique. Mon ami m'a dit, mais au gradé, il dit, je ne suis pas digne. Mais qu'est-ce que la personne vers qui il s'adresse, mais c'est une personne que quand on regarde, il ne paye pas. Il n'est pas comme le prédicateur rockstar aujourd'hui qui se porte des trucs brillants comme des jokers, tout ça, avec, ils ont une scène où les lumières font comme ça, avec des images, tout ça. Non, il était là, simplement. Tu le regardes, tu dis, oh celui-là, il n'a pas. Parce que souvent, quand les gens voient tout ça, les lumières, on leur met des photos de fou, on dit, oh Dieu est là-dedans. C'est ça. Mais oui, parce que les yeux des hommes. Vous êtes comme ça tous. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, c'est sûr et certain, ça. Rive. C'est ça l'humain. L'homme qui marche par la vue dans les choses spirituelles. Tu n'iras jamais plus loin. Dieu te bénisse. Il a toujours dit, mon juste vivra toujours par foi. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Là où tu es, je crois. Oh, frère et sœur, si tu dis simplement, tu dis un mot, je suis sûr et certain okay. que mon serviteur sera guéri.
Il dit parce que regardez comment est-ce qu'il est arrivé à avoir cette foi. Il dit, moi ici, je suis comme un général, mais je suis aussi citoyen supérieur. Donc j'ai des soldats à ma suite, effectivement. Quand j'ai dit un mot à un soldat, il doit le faire. Amen, amen, amen. Donc quand je te regarde, toi. Alléluia. Quelle révélation. Oh, mon frère, ma soeur. Quand je regarde toi. Oui, monsieur. Mais tu es le grand Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il dit simplement un mot. Si tu dis simplement un mot, je suis sûr et certain que mon serviteur, frère, quelle foi, alléluia, sera guéri. Ça, on n'a pas trouvé ça chez les juifs, hein? L'orgueil, l'orgueil. Gloire à Dieu. Le Seigneur était tenté de montrer la visitation qui aura lieu chez les païens. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Alors, il dit, il s'arrêta, il regarda, il dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est lui qui l'a dit. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Et ça, c'est quand même fort. Eh oui. Eh oui. Pour ça qu'on dit que il est venu chez les siens. Ah, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. C'est comme ça que vous pouvez remarquer que quand Paul et Silas prêchaient l'évangile, il y a toujours les juifs qui sont venus commencer à pouvoir les outrager parce qu'ils ne voulaient pas. On parle de ce Jésus-là. Et si donc, Paul et Silas se tournent vers eux, le juif, qui les insultait. C'est toujours comme ça. Or, c'est quand même grave qu'un croyant, que c'est des croyants, puisse insulter quelqu'un. Même si ça vous dépasse, c'est vrai, parce que moi, quand même, que Dieu nous préserve. Ah ouais. En plus, bon, si c'était qu'ils avaient commencé à taper, que Paul et Silas les commençaient à les insulter, je comprendrais qu'ils aient aussi été fâchés. C'est parce qu'ils ont été provoqués. Ils ont quand même, oui. Par exemple, toi, je donne un exemple, c'est un peu exagéré. Tu prêches à quelqu'un, tu dis, quand c'est une question à baptiser, on se dit, non, moi je crois que le baptême au nom du Père, c'est intercepté. Tu dis, mais la frère qui me dit, monsieur, c'est qu'il a dit, et puis tu le prends. Crois que Seigneur Jésus-Christ, c'est pas possible, comment toi, tu peux pas croire, et puis c'est vrai. Vous comprenez? Si vous avez la violence comme ça, quelqu'un peut devenir violent aussi. C'est un exemple, je sais pas. Mais c'est pour dire que quand on va avec la violence, c'est aussi en retour la violence. Quand vos paroles sont dures à l'endroit de quelqu'un, vous excitez la colère. C'est pour ça qu'on nous dit toujours qu'on soit toujours doux et tendre. C'est assez important, ça. Et comme vous pouvez le remarquer, à l'heure même, son serviteur, là, fut donc guéri. Je parle de Saint-Aignan. Et quand Corneille a été donc visité, l'ange lui dit, envoie à Joppé, dans les actes au chapitre 10. Qu'on aille chercher Simon, qui est logé chez le courroyeur. Vous vous souvenez? Amen. Ah. Il a envoyé ses gardes, et comme vous connaissez la suite, puis ils sont donc arrivés, ils ont pris donc Simon, et ils sont partis. Mais pendant que Simon partait, pour que vous puissiez voir ce que cela a produit dans la personne. Corneille était tellement bouillant dans son intérieur. En attendant que Pierre puisse venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous ses amis, toutes ses connaissances. Vous avez honte.
quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, ou que l'évangile vous a touché le cœur, pour que vous puissiez devenir fils et filles de Dieu. Vous comprenez cela? Vous avez honte de pouvoir rendre témoignage même à ceux qui sont autour de vous. Parce que vous avez honte qu'on vous voit que vous devenez différent. Et c'est ça le grand problème. Et cela démontre aussi les degrés de la foi que vous avez dans la conversion que vous avez expérimentée. C'est que si réellement vous étiez converti, le Seigneur dit à Pierre, il dit, mais quand il sera converti, alors tu affermiras tes frères. Quand réellement vous êtes converti, comment pouvez-vous avoir honte encore de montrer aux hommes, à tout le monde, que Dieu a fait quelque chose dans votre vie? Converti. En fait, vous ne pouvez pas avoir honte parce que vous avez déjà expérimenté que vous n'êtes plus la même personne. Vous parlez de gens maintenant, aux gens, ce que vous êtes devenus. Mais puisque vous n'êtes pas encore devenu ce que l'Écriture dit, c'est pour ça que vous ne pouvez pas leur dire que vous êtes devenu. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, vous avez honte parce que il y a toujours quelque chose de l'ancien qui est toujours là. C'est ça qui a honte. Mais cette nature-là, c'est celle qui a honte qu'on puisse la dévoiler qu'elle est là, tu comprends cela? Mais quand elle n'est pas là, que vous êtes vraiment... Regardez, si vous êtes né un garçon, vous allez avoir honte de dire que vous êtes un garçon? Mais c'est quand vous avez changé le bazar. Ah, maintenant, ça devient intéressant. Ah, oui, quand vous avez changé le bazar. Oui, c'est que je t'ai connu, tu étais bazar. Maintenant, je te connais, tu me dis que tu es devenu un autre bazar. Tu as difficile même de m'expliquer. Ah, oh, mais, Joseph, et comment, mais ça, parce que quand on est, je te connais depuis l'enfance. On a fait des études ensemble. On était sur le même banc. Je connais Joseph. Il dit, Joseph, qu'est-ce qui va se passer? Sur ma carte d'identité, c'est devenu Joséphine. Bon. Vous remarquez? Alors, ça commence à se faire que tu es devenu Joséphine. Là, ça devient problématique. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment puissant qui s'est passé en nous. Que nous soyons différents. Alors, nous comprenons que je dois rendre témoignage de ce que je suis. Je parle bien de la parole de Dieu. Dieu a fait en sorte que moi, que tu connaissais dans le bois, dans les bains, dans ceci, les boissons, les cela, dans toutes ces saletés-là, dans toutes les peintures, dans toutes ces choses-là où j'étais là. Si c'est les, monsieur était peut-être le prince, et l'autre était peut-être la princesse, je ne sais rien, dans tout ce domaine-là. Quand vous voyez que je suis passé, donc... mais maintenant, toutes ces choses-là, ça n'existe plus. Je les aimais, mais c'est devenu difficile pour que je puisse aimer encore. Ce que Dieu a fait quelque chose en moi. Frères et sœurs, votre attention, s'il vous plaît, n'allez pas rendre les témoignages qui sont faux. Je le répète, n'allez pas rendre des témoignages qui sont faux parce que vous serez jugés sévèrement. Ne dites pas que le Seigneur a fait alors qu'il n'a rien fait. Ok. Parce que vous mentez et vous le faites menteur.
Parce que quand vous direz qu'il a fait, et que les gens vous regardent, ils voient que c'est que c'est Jésus, alors il fait ça alors. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Alors s'il vous plaît, ne faites pas de notre Dieu menteur. Soit il a fait, vous parlez. S'il n'a pas fait, vous vous taisez. Ne nous amenez pas des témoignages qui sont de extrapolants, et puis après demain, on vous voit que on commence à se poser des questions. Ça c'est très mauvais. Est-ce que Dieu a vraiment fait? C'est-à-dire que, mon frère et ma soeur, vous avez jeté l'opprobre sur la parole de Dieu. Alléluia. Tout à fait. Vous savez, moi, vous pouvez venir avec les dons que vous avez, vous l'exposer, tout ça. Moi, je crois. Mais mon problème à moi, ce n'est pas les dons que je regarde. Je remercie Dieu pour les dons. Amen. Mais ce que je regarde, c'est la vie. Parce que, en rapport avec les dons, il y a aussi des faux. Moi, je regarde. Alléluia. Frères et sœurs, s'il y a un peuple qui doit faire en sorte que le monde respecte le Seigneur, c'est bien nous. S'il y a un peuple qui doit faire que le monde aime Dieu, alors ne travaillons pas pour l'ennemi. Travaillons pour ce Jésus qui a souffert, qui est mort et ressuscité pour toi. Il t'a jamais envoyé d'aller mentir en son nom. Non, jamais. Oui. Nous devons réaliser une chose, que le Seigneur a dit, la vérité sort de ma bouche. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité. Donc, là où se trouve la vérité, le mensonge ne peut pas. Donc, si vous dites que Dieu vous a visité, nous devons aussi réaliser qu'il ne fait jamais un travail à moitié. Non, jamais. Tout à fait. S'il a commencé par la justification, il doit certainement passer par la sanctification. S'il a passé par la sanctification, il doit absolument passer par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah. Qui nous aide? Oh, qui nous aide, notre Seigneur, notre Dieu. Il est tellement bon, mon frère, ma sœur. Avant de lire, je disais, il est absolument nécessaire que nous comprenions tous, tout un chacun de nous, que Dieu ne peut pas manquer de vrais enfants de Dieu. Parmi les frères, parmi les sœurs, parmi les frères, il ne pourra jamais manquer un fils de Dieu qui l'aime tant, qui cherche toujours à pouvoir se conformer et qui, dans son esprit, le monde n'est plus là-dedans. Il n'en manquera jamais. C'est pour que vous arrêtiez, en fait, de pouvoir tout le temps vous prendre comme si vous étiez tellement si important. C'est que tellement, vous êtes tellement devenu orgueilleux. On sait, nous connaissons, nous savons ceci. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez changé de guide. Amen. 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 Parce que les ténèbres ne pourront jamais cohabiter avec la lumière. Je crois que c'était Thomas qui a dit, mais nous savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Il a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Si donc nous l'avons, lui, alors nous avons la vérité. Il a dit, je suis la lumière du monde, cette lumière du monde. Parce qu'on dit, ben, qui, venant dans ce monde, éclaire tout homme. Donc c'est écrit, hein? Jean chapitre 1, merci. Jean chapitre 1, Dieu te bénisse, ma soeur, c'est écrit. Nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas un journal roman, mais que les gens se tiennent là pour pouvoir nous raconter des histoires, pour que nous égayer. Non, c'est aussi un jugement, messieurs. Parce qu'un jour, vous allez mourir. Et aussi, ils sont passés. Le temps viendra aussi où vous passerez. Mais avant de passer, la grâce que vous avez, c'est qu'il vous avertit. Il vous montre, effectivement, les choses pour que vous puissiez poser un acte véritable et conscient. Cessez de jouer avec votre destination en cherchant à plaire à X, à Y, à faire de ceci et de cela. Vous allez le regretter, je le répète encore. Ce X, Y là ne sera jamais à votre côté parce que le chemin que vous allez emprunter, il est un chemin solitaire. J'ai toujours aimé le Seigneur dans sa façon de faire les choses et de dire les choses pour que nous soyons toujours aussi conscients et réveillés. Il a dit, il en sera de même comme au temps de Lot. Ah oui aussi. Il dit, en ce qui concerne maintenant, deux seront dans un lit. Deux seront dans un lit. Il a pris, vous savez, l'apanage du tout, en fait, pour montrer, en fait, dans toutes les circonstances. Deux seront dans un lit. Même dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ce n'est pas un groupe qu'on doit enlever. Je prie que vous compreniez. Ce sont des individus. Même si vous êtes dans un groupe, mais des individus. Amen. Amen. Tu peux être avec ta femme ou avec ton mari. Vous êtes là. Et bien, vous-même, vous vous tenez par la main. L'un sera pris. L'autre sera laissé. C'est pour que vous compreniez, en fait. Je veux que vous compreniez cela pour que vous ne puissiez pas voir la pensée du groupe. Parce que c'est lui qui... C'est lui qui, que tu veux impressionner ou celui que tu veux montrer, effectivement, si c'est la personne qui est avec toi dans un groupe, que vous êtes ensemble, dis-moi, je vais... Mais en fait, c'est pas que... Je veux que vous compreniez que Dieu va vous prendre dans le groupe. Non. Dieu cherche celui qui est conforme. C'est pour ça que les disciples ont posé la question. Ils ont dit, mais ils étaient aussi sages. L'Esprit du Seigneur agissait en eux. Ils l'ont observé quand il a terminé. Il m'a dit, mais Seigneur, parce qu'ils sont deux, on est là tous deux ensemble. Il m'a dit, mais quand Seigneur, nous sommes ensemble, c'est comme si nous sommes ensemble, non? Vous comprenez, on est ensemble quand même, et puis on nous prend avec notre bâton, nous sommes partis. Parce que nous sommes dans le mode ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans le mode ensemble, mais c'est l'état, l'esprit, la position dans laquelle chacun se trouve. Bien que vous soyez ensemble. C'est pour ça que vous entendez toujours, s'il vous plaît, occupez-vous d'ici. Les diacres sont là. Mais vous remarquez toujours, même quand on dit votre attention, s'il vous plaît, c'est toujours la porte
Je ne sais pas s'il faut mettre un écran sur la porte. Non, je donne un exemple. Hein. De toute façon, vous irez toujours comme ça. On aura beau dire, vous allez le voir dans la Sainte, que Dieu me pardonne. Vous allez voir la Sainte Écriture. Parce que le problème, c'est que vous ne comprenez pas en fait ce qu'il en est. On a beau dire, votre attention s'il vous plaît. Frère, vous ne réalisez pas ce qu'a veut dire votre attention. L'attention là pour pouvoir la mettre. Et puis vous serez par exemple assis à côté de l'homme. Vous êtes tellement absorbé. La distraction que vous avez à côté, c'est votre monsieur, madame qui est à ce côté là-bas. Toujours là. Et puis paf, quand vous la regardez, vous allez perdre le cheminement. Et pourtant, vous êtes tellement absorbé. Mais cette distraction-là, il vous coupe complètement. Vous vous dites, mais il était où? Et puis papa, parce qu'on est parti loin. Parce que pendant que vous êtes tellement absorbé, le Saint-Esprit vous instruit aussi. Il y a des choses qu'on ne sait pas beaucoup dire, mais le Saint-Esprit continue dans votre esprit. Mais quand c'est coupé, vous devenez charnel. Vous êtes là en train de me regarder, maintenant ce sont les casseroles que vous pensez. Je dis, mais il était où? Ah non, je vais l'acheter encore. Quand on termine la réunion, je suis à l'Assemblée. Mais tu as tout perdu déjà. On ne sait pas dire, oh, qu'est-ce qui arrive? Il a parlé des avocats encore, quoi. Mais non. C'est ça le grand problème que nous devons arriver à pouvoir être conscients pour que nous puissions savoir ce qu'il en est. Donc, nous comprenons que, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le Seigneur, il n'y a pas de mensonge. Donc, ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous puissions arriver à être dans la position de pouvoir toujours être dans la vérité. Comme je disais, c'est sur Satan. Le jour du jugement, et même, comme je disais encore tout à l'heure, ils lui ont posé la question de pouvoir savoir où sera ce Seigneur. Parce que j'ai dit deux. Ils sont deux quand même. Mais l'un sera plus. Vous savez, ça c'est cool. Il dit, mais où sera Seigneur? Où cela va se passer? De quelle manière? Et puis il a dit une chose merveilleuse en disant que là où se trouvera le corps, là aussi s'assembleront. Alors, je crois que chacun de nous connaît cette écriture par cœur. Donc il nous montre effectivement que les rassemblements, ce ne sont que de ceux qui ont la même nature. Alléluia! Amen! Un aigle ne peut pas être aigle et avoir l'esprit de vautour. Mais les vautours peuvent se joindre à l'aigle. Et quand le vautour, normalement, est à côté des. Enfin, l'aigle est à côté du vautour, et qu'un autre aigle arrive, l'esprit qui est dans cet aigle-là par rapport à l'autre aigle, ils se rendent compte effectivement qu'ils sont pareils. Alléluia. Pourquoi? Parce que les aigles font toujours la même chose. Le vautour va essayer de pouvoir se forcer. L'aigle demeure l'aigle. Alors, il y a en eux quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent jamais faire autre chose. C'est-à-dire comme nous avons parlé, quand on a la vérité, hein. On ne peut pas mélanger la vérité avec l'erreur. C'est pour ça qu'on voit la différence. C'est bien. 1 Jean 4, 4. Nous y arriverons si Dieu permet que je lise. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un aigle, il y a, comme il est aigle, on a fait en lui qu'il ne puisse jamais manger quelque chose qui est pourri. C'est comme dans une colombe, vous savez cela, non? Mais dans un vautour, les vautours, et ça en fait, les vautours, ils peuvent manger les pourris, comme ils peuvent manger aussi la viande fraîche. Mais l'aigle, lui, ça passe pas. C'est comme ça que vous avez la nature hypocrite, en fait. Vous pouvez être dans ceci, mais dans cela, ça passe sans problème. Mais quand c'est un aigle, s'il essaye de manger, il ne va pas tenir. Ah, ça va faire des tourments, des tribulations,
des choses, les larmes et les pleurs, et commencer à pouvoir chercher comment arranger avec Dieu. Vous comprenez, ça, ça travaille à l'intérieur. On ne dort pas tranquille. On ne respire plus très bien. C'est qu'il a avalé quelque chose qui n'était pas bien. Donc, nous comprenons que c'est absolument nécessaire que cela soit ancré dans chacun de nous. Alors, je voudrais vous lire, peut-être que je vais arrêter rapidement. C'est dans le livre de Matthieu. Vous avez le temps? Ah, que Dieu vous bénisse. On s'élève un peu pour sentir un peu mieux, peut-être, parce qu'on est tellement resté assis longtemps. Je pense qu'on ne va pas rester longtemps, on va simplement lire. Matthieu chapitre 13, regardez. Alors, nous lisons, si vous avez trop chaud, vous dites, les frères qui sont là, ils pourront diminuer pour vous, afin que vous soyez bien. On fait tous nos efforts pour qu'en été, vous soyez au frais, en hiver, vous soyez au chaud. Si c'est trop, vous dites, hein? Matthieu chapitre 13. Alors, nous lisons... Verset 36, on peut lire cela. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Vous y êtes? Amen. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, mais explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, mais c'est lui qui sème la bonne semence. Eh bien, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est bien le monde. La bonne semence, ce sont donc les fils du royaume. Et les vrais, ce sont donc les fils du malin. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci pour le temps que tu nous donnes de pouvoir nous tenir encore dans ta maison et dans ta présence. Oh, c'est vrai. Nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui, Père. C'est vrai, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais notre âme. Et nous réalisons, comme nous l'avons entendu, que tu as un programme. Et c'est vrai, Père. Et l'homme aussi a son programme. Et nous t'implorons la grâce de pouvoir nous aider. Parce que nous puissions nous examiner très sincèrement nous-mêmes, Père Tubissant Dieu, afin que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes, mais que nous puissions vraiment nous examiner davantage. Pardonne-nous et soutiens-nous. Merci pour la parole que nous venons de lire. Pardonne, Père, puisses-tu vraiment nous éclairer encore davantage, je t'en supplie. Aide-nous, je demande cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Certainement, nous connaissons effectivement cette parabole. Le Seigneur a eu à pouvoir effectivement et à pouvoir exprimer parce que il parlait en parabole, et cela, c'est écrit ici, c'était parce que il fallait que l'écriture puisse s'accomplir. Et nous voyons, verset 34, il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création donc du monde. Alors, dans cette parabole, effectivement, il exprimait en fait une action qui est donc ici, au verset 24, il dit, il leur proposa donc une parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'éma délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison, vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a donc de l'ivraie? Il est répondu donc, c'est un ennemi qui a fait cela. Amen. Donc, il nous montre effectivement un tableau où cet homme, effectivement, qui avait défriché son champ, qui s'est levé et qui est donc parti et qui a eu à pouvoir s'aimer donc de la
bonne semence dans son champ. Et c'était seulement cette semence-là qu'il a eu à pouvoir s'aimer. Donc lui, le propriétaire du champ, effectivement, il a s'aimé sa bonne semence. Et voilà qu'après, quand on est venu regarder là où il avait s'aimé, et puis on voit qu'il y a eu donc des livrets. C'est une, donc quelque chose d'étranger qui s'est aussi manifesté dans son champ. Et puis les serviteurs posent la question, mais tu n'as s'aimé que la bonne semence. D'où vient donc qu'il y ait donc des livrets dans ton champ? Et puis, lui répond effectivement que mais c'est l'ennemi donc qui a fait cela. Donc l'ennemi est venu donc, comme il a expliqué, donc pendant la nuit, hein, on voit que tout le monde dormait effectivement, comme toujours pendant que la parole de Dieu est prêchée, on est toujours en train de pouvoir un peu parfois secouer la tête comme ceci. Toujours à ce moment-là aussi. On ne fait pas très attention que l'ennemi sème aussi ce qu'il a à pouvoir s'aimer. C'est pour ça que vous entendez souvent votre attention, s'il vous plaît, qui est devenue pour vous comme une musique habituelle. Et dont on en a quand même assez d'entendre toujours votre attention, s'il vous plaît. Mais en fait, Dieu est en train de secouer ses propres enfants. Si toi tu dors, tu peux dormir. Mais c'est cool. Alors, dis-moi. Non, pendant que j'en dormais, l'ennemi est venu pour s'aimer effectivement aussi. Forcément, ce n'est vrai. Mais alors, on nous a dit qu'effectivement, que cet homme a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence dans son champ. Parce que quand on dit une bonne semence, elle est bonne là. Et c'est ce qu'on désire, parce que quand on a fait les champs, on veut en fait récolter ce qu'on a semé. Si on a semé, c'est parce que c'est important. Oui, c'est qu'on ne sème pas pour plaisir, mais on sème parce que c'est important et qu'on veut récolter donc ce qu'on a semé. Voilà que là, il trouve que l'ivraie aussi a été donc semé dans son champ et ils ont commencé à pouvoir croître ensemble. Vous connaissez effectivement cela. Et alors, les serviteurs ont dit, mais nous devons donc arracher donc l'ivraie pour que la bonne semence puisse donc pousser. D'abord, le Seigneur a dit que c'est l'ennemi qui a eu à pouvoir s'aimer cette ivraie dans le champ pendant que les gens dormaient, effectivement. Ils ont écouté cette parabole et puis c'est comme ça qu'ils ont demandé effectivement au Seigneur l'explication de la parabole. Et le Seigneur effectivement leur a expliqué cette parabole en disant clairement ici, il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est bien le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, c'est lui-même le Seigneur dans le ministère du prophète. Amen. C'est pour ça que, comme c'était lui-même, il ne pouvait pas dire ainsi par l'Éternel, mais disait en vérité, je vous l'ai dit. Dans sa fonction, effectivement. Alors, dans cette fonction, il s'aimait la bonne semence. Il dit, c'est bien lui qui a s'aimé la bonne semence. Et puis, plus bas, il dit effectivement, que c'est bien comme il est fait, comme il dit, le champ, eh bien, c'est le monde. Je veux que vous vous représentiez cela, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour que vous compreniez aussi ce que nous avons eu à pouvoir entendre. Afin que nous posions la question de savoir si nous sommes vraiment dans son programme. Les champs, c'est le monde. Excusez-moi, je peux comprendre bien. Les champs, c'est le monde. Et c'est dans quoi nous sommes. Nous ne sommes pas autre part que dans le monde. Nous sommes sur cette terre où nous sommes, effectivement.
C'est là que se trouve, comme il dit, le champ où le Fils de l'homme, lui, il a donc semé sa bonne semence. Sa bonne semence. Et puis, bah, il dit effectivement que la bonne semence, eh bien, il dit, ce sont donc les fils du royaume. Donc, quand on parle de fils du royaume, il s'agit donc de fils et de filles de Dieu. Alors, quand on parle de fils et de filles de Dieu, ce qui veut dire que ce sont ceux-là qui sont donc nés de Dieu. Ah, que Dieu nous aide. Fils de Dieu, tant qu'ils sont nés de Dieu. Alors, je voudrais que vous puissiez voir quand même quelque chose de très important. La bonne semence, ce sont donc les fils du royaume. Quand nous regardons dans Luc au chapitre 8, verset 11, le parallèle que nous voyons est quand même assez éloquent. Luc au chapitre 8, verset 11, il dit, c'est la parabole du semeur, n'est-ce pas? Alors, il dit, voici donc ce que signifie cette parabole. Vous connaissez cela, non? Un semeur sorti pour semer sa semence. Vous connaissez, non? Verset 5. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. C'est verset 6 que je lis. Hein? Sur le roc, quand elle fut levée, sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle. Une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut élevée. Et donna donc du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit, retrouva que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ici, dans Matthieu chapitre 13, on nous dit que la bonne semence, ce sont donc les fils du royaume. Donc, on met devant un tableau dont on nous fait part ici que la semence, c'est bien la parole de Dieu. Et de l'autre côté, maintenant, on nous fait part effectivement aussi que la bonne semence, c'est que quand on dit semence, bonne semence, c'est toujours la parole de Dieu. Et maintenant, on nous montre effectivement que la bonne semence, ce sont le fils du royaume. La semence est à la parole de Dieu. Et ici, ce sont les fils du royaume. Comment sont-ils devenus des fils? À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Gardez le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, pas de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Donc, si on est né de Dieu, on est la parole. Amen. Oui. Tout à fait. Alléluia. Amen. Ce que vous comprenez, amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais essayer d'aller vite. Donc, si on est né de Dieu, qui est la parole, donc, qui est à la semence de Dieu, c'est si, la parole, c'est la semence. Alors, si on est né de Dieu, on devient aussi semence. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est que la bonne semence. Est-ce que vous voyez? Amen. Bon, maintenant, ceci est très important, comme les Saintes Écritures nous le disent. Je vais pas être long, parce qu'on pouvait rester avec vous, et c'est la vérité, c'est pas que j'ai dit ça pour pouvoir dire, rester avec vous pendant des heures, aujourd'hui. Amen. Parce que mon frère et ma soeur, il est important que toi, en sortant de cet endroit, tu puisses quand même te poser la question, t'examiner au plus profond de toi, pour savoir qui tu es. Tu devras faire abstraction
de ton voisin, de ta voisine, de tout ce que tu as comme connaissance ici dans ces lieux, et tout ça, qui te connaissent depuis des années, qui font de toi frère et sœur, mais toi-même, tu dois te mettre à l'écart. Tu te regardes. Parce qu'il s'agit de la semence et de la bonne semence. Et c'est lui qui a semé cette bonne semence. C'est le même semeur qui a dit que le semeur a sauté pour semer sa semence. C'est le fils de l'homme. Et les champs, c'est bien le monde. Alors quand on a posé la question, nous allons lire tout à l'heure rapidement. Quand on a posé la question, mais d'où vient donc l'ivraie? Alléluia. Amen. D'où vient donc l'ivraie? Parce que toi, tu as semé la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc l'ivraie? C'est pas moi qui réponds. C'est le maître du ciel. Il dit, le verset suivant, il dit, l'ivraie, verset 38, vous y avez? On dit les champs sur le monde. Ah, c'est dans Matthieu 13. Pardon, verset 38. Les champs sur le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous suivez là? Et puis il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, nous pouvons comprendre cela. C'est pas que nous disons cela nous-mêmes. Nous regardons dans 1 Jean, au chapitre 3, je pense que c'est ça. 1 Jean, au chapitre 3, je crois que c'est cela. Voilà. Voilà. Ah oui, 1 Jean chapitre 3. Nous pouvons lire à partir du verset 1. On a un peu le temps. Vous avez un peu de temps. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Verset 1 dit, voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Donc, ce n'est pas quelque chose d'imagination, mais c'est une réalité. Et puis, on parlait bien du Père. Donc, pour qu'on soit enfant, il y a quand même un papa. Pour qu'on soit fils, effectivement, il faut qu'il y ait une semence. Vous comprenez cela? Alors, on dit que Père. C'est bien que dit, de quel amour le Père nous a témoigné. On n'a pas dit quel amour le Dieu nous a témoigné. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Pas qu'effectivement, que probablement. Non. Peut-être que. Non. Il dit bien avec assurance que nous le sommes. Amen. Donc il est certain quand il dit, c'est-à-dire, je le suis. Amen. Parce qu'il a expérimenté cette nouvelle naissance, monsieur. Il dit, je le suis. Et puis il continue. Si le monde ne nous connaît pas, on ne peut pas fricoter avec le monde, monsieur. Parce que le monde n'a rien à voir avec nous. Il dit, si le monde ne peut pas te connaître parmi les siens, ce n'est pas possible. Parce que tu es différent du monde. Amen, amen, amen. C'est là que tu dois te poser la question, mais quand je continue à copier le monde, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi? Ah, c'est lui en qui se trouve l'amour du monde. Et tout ça, l'amour de Dieu n'est point. Amen. Maintenant, écoutez bien. Le monde ne nous connaît pas. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il n'a pas connu, tu ne l'as pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été... manifesté. Merci Seigneur. Amen. Nous allons y arriver. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons à qui? À lui. Non, semblable à lui. Lui qui met la parole. Alléluia. Mais frères et sœurs, nous serons semblables à lui. Donc jamais semblable au monde. Frère, vous allez. C'est quand même que Dieu nous aide, frère. Pour que vous puissiez comprendre la volonté, les désirs de Dieu pour son peuple. Amen. Le diable est un menteur, un séducteur. C'est ce qu'il fait avec vous. Oui. C'est vrai.
Mais c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Ils vous trompent en vous faisant penser que si tu ne fais pas de toi qui es, tu n'es rien du tout. Mort de terre, déchet. C'est vrai. Nous ne valons rien. Rien, rien du tout. Nous continuons à régler. Il dit ici. Oui, ça va. Donc, lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah ah, il ne va pas aller dans le monde, charger de toutes les saletés du monde et tout ça. Non, il se tient à l'écart, effectivement, dans la crainte. Oui, parce qu'il cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il se purifie comme lui-même, il est pur. Ah oui, je ne sais pas, frères et sœurs, mais réveillez-vous. Vous accrochez à des saletés. Vous allez perdre votre âme pour des saletés de ce monde. Frères et sœurs, réfléchissez. Et nous continuons ici, il dit. Quiconque, verset 4, pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. C'est-à-dire que quand on dit ôter, c'est qu'il a déraciné. Donc, c'est-à-dire que quand il a déraciné, il n'y a plus rien. Donc, la source même, la racine même du mal en question, il a enlevé. C'est ce que Jésus a fait pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour que les désirs même du monde ne soient plus en toi. Il a déraciné. Alléluia. Il a payé un grand prix par son sang. Amen. C'est pour ça qu'on dit que tu es justifié. Amen. Amen. Ok. Sans péché. Oh oui. C'est ce qui est écrit. Amen. Et puis, nous continuons ici. Il dit, oh, il dit maintenant, oh, vous savez que Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui. Oh, nous, nous sommes appelés semblables à lui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah. Amen, amen, amen. Oh, c'est clair. Cela sera manifesté. Mais déjà, nous sommes. Et comme il dit, c'est important parce qu'il dit, en lui, il n'y a pas de péché. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Okay, 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 est-ce que okay. Vous comprenez amen, amen. Où est-ce que nous étions? Ok. Ah oui. Voilà mon frère. Où est-ce que nous étions? Voilà pourquoi tu ne peux pas changer la nature d'un ou d'un vôtre. Non. Vous vous souvenez, frères et sœurs? Mais c'est important. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est clair. Nous ne pêchons pas. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous avons besoin de ces dieux dans notre vie. C'est merveilleux comme Dieu nous a ouvert les livres. Pour que nous puissions nous plonger. Mais c'est vrai. Vous vous souvenez, j'avais fait une déclaration, je disais, mais la parole de Dieu ne change personne. Vous vous souvenez? Ça a choqué beaucoup de gens. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est merveilleux, frère. Vous savez. Quand Dieu a créé, c'est vrai, hein? Dans Genèse chapitre 1, partie verset 10 et 11, effectivement, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous lisez, il dit que chaque semence produise selon son espèce. Aha. Alléluia. Amen. Genèse 3, 15, il a dit, la semence de la femme, je mettrai une inimitié entre ta semence. Et la sémence de la femme. Donc il y a bien deux. Or, comme vous savez, hein, la femme n'a pas de sémence. Donc il a voulu dire ma sémence. Donc il s'agit de ça. Bien sûr, parce que ce que Marie a reçu, c'était la sémence de Dieu. Bien sûr, parce que Marie n'avait pas de sémence. C'est une femme. La sémence vient de l'homme. Donc c'était sa sémence à lui. Bien sûr que oui, qui écrasera la tête du serpent. Et ces jours-là, dans Luc, c'est accompli.
Est-ce que vous comprenez? C'est ici ce que ce qui était dans Esaïe. Voici la Vierge. Alléluia. Elle enfantera un fils. On l'appellera. Ce qui veut dire Dieu avec. Voici. Donc mon frère et ma soeur, ce qui veut dire qu'effectivement que toi et moi, nous avons toujours été fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr mon frère, bien sûr ma soeur. Parce que quand il a qui effectivement, il est fils de Dieu. Vous vous souvenez non? Eh bien la Bible nous dit qu'effectivement que c'est en lui que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Or avant la fondation du monde, il n'y avait rien. Alléluia. Qu'est-ce qui était avant la fondation du monde? Rien. Rien que Dieu lui-même étant esprit dans l'éternité. Et dans l'éternité, nous étions en lui. Oui, monsieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Or Dieu étant éternel, puisqu'il est la parole. Alléluia. Amen. Amen. Oh, ça c'est le plan. Ça c'est le projet. Dans lequel Dieu veut t'introduire. Alléluia, il veut que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes effectivement qui tu es. Ce n'est pas aujourd'hui, mais toujours, depuis toujours. Oui, monsieur, il t'avait choisi pour la sanctification. Voilà pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand il entend la parole de Dieu, même s'il est accroché à lui, il abandonne. Alléluia! Parce que cela est en lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, monsieur. Mais les enfants du malin n'ont jamais été là-dedans. Oui, monsieur, c'est ça. Il a bien dit ça, même dès le départ. Je mettrai inimitié entre ta sémence. Et la sémence de la femme, c'est-à-dire ma sémence. Alléluia. Bien sûr que oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Nous l'avons contemplée comme la gloire venant du Fils unique de Dieu. Et nous l'avons appelé Jésus. Jésus, la sémence de Dieu. La parole de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi les autres ne pourront jamais expérimenter la nouvelle naissance. Pourquoi? Vous pouvez entendre que je disais, la parole de Dieu ne change personne. Mais il restaure le Fils de Dieu dans la position dans laquelle ils étaient, bien sûr. J'espère que vous comprenez. Amen. Parce que les gens vont dire, oh, il a dit, non, 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 non. C'est vrai qu'elle change, c'est vrai, elle transforme, mais nous comprenons ce que ça veut dire. Amen. Quand on dit ça change, ça transforme, c'est qu'effectivement, qu'il ne peut pas faire d'un fils du malin un fils de Dieu. Amen. Elle vient chercher le Fils de Dieu pour le ramener. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Parce que vous n'êtes pas censé avoir ce cœur du monde. J'ôterai, j'ôterai, j'ôterai votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Mais regardez, nous allons terminer. Regardez très bien. Nous allons terminer à lisez l'Écriture. Mais regardez, je veux que vous puissiez vraiment, si nous avions vraiment du temps, nous resterions, parce que il faut que vous puissiez voir la nature que Dieu vous a donnée. Pour ne pas prendre les saletés. Amen. Que Satan peut travailler avec ses enfants. Oui. Mais pas vous toucher. Amen. Et ne touchez pas mes oins. Amen. Et toi, tu dois aussi savoir qui tu es. Amen. Pour ne pas non plus sortir du camp, là où tu es effectivement pour aller ramasser les choses. Non, tu demeures là où Dieu t'a placé. C'est pour ça que il nous ramène à ce que nous soyons là, c'est-à-dire dans le corps.
C'est pour ça que quand il a répondu à la question, il dit, mais là où se trouvera le corps, là s'assembleront. Voilà. C'est ça le problème. Les aigles vont se rassembler là où se trouve le corps. Et comment nous entrons dans ce corps? Ça, c'est le lieu de rassemblement. 1 Corinthiens 12, 12. Hein? Nous avons tous été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. Quand on rentre dedans, plus de désordre. Tu es retourné à ta place. Vous voyez maintenant, quand on fait le dessin, hein? Vous voyez maintenant, quand on fait les dessins qu'on fait, c'est le corps. Et dans un corps comme le tien, il ne peut pas trouver, il s'est trouvé une partie du corps, celle-ci. Non, monsieur. Je veux que vous compreniez naturellement. C'est-à-dire que dans le corps de mon frère qui est là, on ne va pas trouver le corps de celle-ci. Non. Dans son corps, on ne va pas trouver le corps de frère Jonas. Non. Jonas, dans son corps, il ne trouve que Jonas. Alléluia. La chair de Jonas. Alléluia. Le sang de Jonas. Amen. Et vous comprenez? Amen. Les nerfs de Jonas. Amen. Les ongles de Jonas. Amen. C'est tout ce qu'il y a dans son corps. Amen. Or, le corps est le corps de Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le corps de Christ? Il n'y a que Christ lui-même. Oh, Christ est là. Parole. Ce qui va se trouver. Alléluia. Donc, si toi, tu es dans le corps de Christ, tu ne peux pas être un étranger. Donc, c'est ta place. Bien sûr. Donc, avant que le monde soit, c'est là où tu étais. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, nul ne pénètre de nouveau. Parce que toi, tu es né de nouveau pour que tu retournes dans ta condition originelle. Voilà pourquoi nous devons comprendre la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous parle. Nous ne devons pas nous habiller comme le monde. Nous ne devons pas chanter comme le monde. Ce n'est pas que bon, oh, on parle du mal de moi. Non, c'est un mauvais esprit qui vient se coller à toi. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Si tu l'es, quand tu entends la parole, c'est sûr et certain. Parce que tu es plus propre, plus pur que les saletés de ce monde. Tu n'as même pas, cherché ces choses-là, effectivement. Parce que, regardez, c'est comme si on parlait, je vais terminer la lecture ici. C'est comme si on prenait, par exemple, un aigle. Il se regarde, effectivement, et puis il dit, quand il regarde, il voit peut-être un corbeau, je ne sais pas moi, prenons un corbeau. Il dit, ah, le plumage du corbeau, c'est bien, je vais me faire coller le plumage du corbeau. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous puissiez voir. Oh, le corbeau, il est beau, ce plumage, il a... Mais, bon, mais en fait, il ne se rend pas compte que c'est que lui, il a. C'est plus grand. L'envergure, c'est un corbeau, il ne peut même pas arriver à sa taille. Amen, amen. Et, il est tellement bien constitué. Il ne peut même pas se comparer à un corbeau. Je dis simplement qu'il étend ses ailes. Il est majestueux. Tous les oiseaux l'admirent. Qu'il batte simplement des ailes. Il peut aller tellement plus haut. C'est ce que Dieu a fait de toi. Pourquoi tu envies le monde? Pourquoi tu envies toute cette saleté-là? Mon frère et ma soeur, Dieu t'a appelé pour que tu sois saint. Nous terminons et puis nous allons lever notre prière. Alors il dit, verset 5, il dit, « Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. » Alléluia. Verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Amen. Donc quand toi tu es là dans ce corps-là, ah, les problèmes du péché réglés. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est bien écrit. Amen. Et ça, vous pouvez prendre tous les hommes qui veulent pouvoir dire demain. Si ceci est écrit, personne ne peut changer. Amen. Amen. Alors continuons. Quiconque demeure et ne pêche point, quiconque pêche,
ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est... Alors comprenez. Comment pouvez-vous être dans l'injustice, dans des choses... C'est ce que le monde donne en fait. Parce que ce que le monde est en train de pouvoir donner, ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez, non? L'esprit du monde et l'esprit de Dieu, ce n'est pas la même chose. Nous continuons. Il dit ici, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Vous comprenez, non? Lui-même, le Seigneur. Donc, il dit, celui qui pêche, maintenant vous entendez cela? Il est du diable. Car le diable pêche dès... Vous avez remarqué, hein? Et les commencements. Quand on vous dit qu'il pèse dès les commencements, qu'est-ce que vous avez à pouvoir comprendre? Mais c'est un truc de l'incrédulité dans la parole de Dieu. Il a fait quoi? Il a mené Ève dans l'orgueil. Tu seras. Non. Vous allez devenir tout ça. Ah, nous, on va devenir. C'est comme ça qu'il fait avec vous. Toi, t'es humilié pour cette part. Comme ça, puis toi, comme on voit tellement si bas, si grand. Et puis toi qui es la plus jolie, tu vas commencer à te miguer comme une. C'est pas possible. Hein? Regarde-toi, rêve-toi. Quand tu marches, tout le monde tombe comme des papiers. Et puis tu dis, bon, tout le monde tombe comme des mouches. Alors laissez-moi encore continuer très fort pour que toutes les mouches tombent. Tu ne te rends pas compte que quand les mouches commencent à tomber, c'est le cercueil qui est déjà à côté. Parce que les mouches ne sont attirées que par ceux qui meurent. Enfin, c'est beau que vous compreniez. Hein? Donc il ne faut pas chercher que les mouches tombent quand vous passez, parce que c'est comme un mort vivant. Donc, hein? Et vous comprenez? Je veux que quand je passe, les gens vivent. Parce que nous dégageons les parfums de Christ, non? Pas l'odeur de mort. Hein? Voilà. Vous devez combattre les démons comme ça. Il vous envoie une pensée, vous lui montrez autre chose. Avec la parole de Dieu. Parce que vous valez plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Le monde ne peut même pas arriver à ce que vous êtes en fait. Tout ce que vous voyez ici. Ce que le Seigneur a fait pour vous. Vie de perles et des lumières, existant sur le hauteur. Mon frère, c'est là où tu vas. C'est là où tu vas. Ma soeur, qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Corona, et puis encore l'autre qui va encore sortir, variant, mutant, on ne sait plus très bien. Ils ont commencé avec une dose. Deuxième dose, troisième dose, quatrième dose. Même ton bras ici, il va souffrir. Il va porter des doses jusqu'à la quatrième dose. Nous, on pensait qu'une dose était suffisant. Non. J'ai parlé avec mon grand ici, avec le frère dans mon bureau. J'ai dit, il nous donne des doses parce qu'il veut qu'on soit immunisé. C'est bon. Mais moi, je crois que c'est notre infirmière là-bas. Rebecca qui m'a dit, ah ben, si tu veux bien, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle un examen de prise de sang pour voir quel est le degré d'humilité de SARS-CoV-2 pour que tu vois à peu près. J'ai dit, bon, puisque c'est interdit, laisse-moi aller. Ben, je suis allé pour faire la prise de sang pour voir si je suis immunisé contre le Covid. Le docteur, après avoir hésité, j'ai dit, monsieur, vous êtes au-delà, immunisé. Allez, je me pose la question. Vous étiez malade, Josélie? Vous étiez hospitalisé? Vous ne vous souvenez pas? Alors comment? J'ai dit. Oui. Nous avons Dieu qui nous aide, qui nous soutient. Comme il y avait un frère qui connaît mon frère Jonas quand il est venu, parce que quand il était venu, il devait me poser pour le travail, et puis il ne me connaissait pas. Puis bon, je le salue évidemment. Et puis j'ai dit, bon voilà, c'est parce qu'il y a des travaux, parce que chez moi il y avait problème de toiture. Il était venu avec mon frère Samuel. Et alors, il m'a donné les prix. Ah, j'ai dit, moi je m'attendais à 700 euros. Mais les prix que tu m'as... Non, que Dieu bénisse mon frère.
Frère Samuel m'a regardé, il a eu pitié, il me dit, j'ai dit, frère Samuel, ici, là, je préfère qu'on colmate avec le plat dressé. Alors, puis il me regarde, c'est lui qui était venu avec, il dit, mais vous vous appelez comment? J'ai dit, bon, j'ai dit, je suis pas dit, vous êtes passé Léonard? J'ai dit, oui, j'ai entendu parler de vous. J'ai dit, bon, oh oui, 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 j'ai entendu parler de vous. Et vraiment, je suis enchanté, je suis honoré de pouvoir vous rencontrer en personne. Alors, pasteur, nous, on va faire tout, on va vous aider pour pouvoir arriver à pouvoir faire ce qu'il y a à pouvoir faire ici, ainsi de suite. Bon, je ne rentre pas en détail. Je remercie les frères et sœurs qui m'ont vraiment soutenu aussi là-dedans. Que Dieu le bénisse richement. Vraiment, c'est extraordinaire. Si je vous dis, vous tomberez par terre. Mais c'est Dieu qui nous aide comme ça. Et je prie pour eux. Dieu bénisse mon frère Samuel et mon frère ici, Robert, et notre sœur ici, Loïs. Dieu bénisse richement. Et notre frère, il s'appelle encore comment? Mon frère qui a travaillé pour... Jean-Luc, oh là 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 là, alors là, vous savez ce qu'il me disait, votre soeur est témoin, il dit, pasteur, et quand il venait toujours, t'es toujours, il dit, pasteur, et il a même terminé le travail, il dit, mais j'ai toujours envie de venir chez vous, je sens toujours les désirs quand même, ça me manque, hein, d'avoir terminé chez vous, mais sans venir vous voir, ça me manque, j'ai quand même les désirs, dis-moi aussi, je t'aime bien, quand tu travailles ici, j'étais toujours heureux d'entendre les bruits, touc, touc, touc. Et puis il dit, vraiment, ça me manque, pasteur, je suis quand même passé. J'ai dit, c'est ce qui est mieux. C'est... Alors, il me pose la question. Il me dit, pasteur, combien de personnes vous avez perdu chez vous à cause de Covid? Moi, je le regarde, je dis, personne. Amen. Et il dit, ah bon, personne? Parce que dans les églises, tout ça, on sait que tel il est décédé. Mais chez vous, je dis, chez nous, Dieu nous a épargné. Amen. Psaume 91. Nous marchons par la foi. Amen. Nous servons Dieu par la foi. Mais il nous accorde la grâce de pouvoir. N'importe, on se serre le coude. Et on prie les uns pour les autres. Mon frère, peu importe, vous savez, je dis, nous ici, même quand on nous dira que quelqu'un a le Covid. Amen. Bien sûr que oui. Enfin. Eh oui, que Dieu nous aide. Ah, nous prions que Dieu nous soutienne. Que Dieu vous bénisse. Demeurez ferme dans la foi. Notre Dieu est avec nous. Nous voulons les garder avec nous. C'est pour ça que nous voulons, il veut la sanctification. Il veut que nous puissions nous tenir conformément à sa volonté, afin qu'il continue à pouvoir agir. Nous terminons. Alors il dit ici, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même juste. Celui qui pêche est du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Alors toi ne va pas construire les diables que Dieu a détruits. Vous comprenez? Bon. Quiconque, verset 9, est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Tu peux faire un effort, mais ça ne va pas passer. Tu peux tout faire pour que ça puisse passer, ça ne va pas passer. C'est comme un aigle qui veut avaler des choses pourries. Parce que tu es né de Dieu. Tu es retourné dans ta position. Alors nous continuons, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que, vous avez raison, pourquoi? Lisez. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Est-ce que vous avez compris? La sémence de Dieu. Or le malin a les siens. Donc toi, tu as la sémence de Dieu. Et c'est celle-là, on a dit, effectivement, qui va briser. Mais c'est sûr et certain. Or, la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même. Dans la personne.
Alors, mon frère, comment est-ce que tu peux encore avoir les désirs de boire des nuits, les désirs de saisir, et vous, sœurs, les désirs de cela, ceci, cela? C'est pas possible. C'est pas... Vous savez que les femmes, les diables les trompent vraiment beaucoup, hein? Mais bon, ils tombent facilement dans les pièges de l'ennemi. Et ils leur disent qu'effectivement, si vous ne vous mettez pas tout de votre gratte, ceci et cela, vous ne serez pas joli. Mais en fait, je crois que le Seigneur a eu à pouvoir prendre ses enfants, les mettre à l'écart. Il les a instruits que ce ne sont pas les fatakras qu'il faut regarder, il faut regarder au caractère. Tu peux mettre tes fatakras, te faire te serrer comme saucisse, et ainsi de suite. Frères et sœurs, cette saucisse en question, les jours où ça va barder à la maison, tu n'en auras plus jamais besoin. Je pense que vous comprenez. Donc ça ne sert à rien de perdre votre temps en vous saucissant, en vous coupant, en vous chassant. Parce que c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est important que vous compreniez cela. Ça ne sert à rien. Comprenez que ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir avoir Christ en vous. Je n'avais pas vu que Esther s'était fatacrée, qu'elle s'est serrée comme une saucisse. Pour passer devant les rois, pour que les rois puissent admirer tous ces saucisses et tout ça. Vous comprenez? Non. Esther avait la sagesse. Et comme elle était tellement humble, vous avez le temps? Comme elle était tellement humble et que Dieu l'avait mis dans sa main, elle avait rendu Esther obéissante. Et oui, l'obéissance. Vous savez, avec mon petit-fils Solomon. Alors, je lui dis, Solomon, je vous dis la vérité, hein, donne-moi le mot de passe. Je ne sais pas si Solomon est ici ou il dort quelque part, mais Solomon est là-bas derrière. Il a levé la main. Tu es où là? Est-ce que tu peux venir ici? Ça va être compliqué, hein. Tu peux venir ici? Ah là là, mon petit-fils là, il a difficile d'être devant les gens. Parce que j'allais vous le prouver, parce que bon, je lui donne moi les mots de passe. Vous savez les mots de passe? Entre moi et Solomon. Les mots de passe, il dit, l'obéissance vaut mieux que le... C'est ça le mot de passe de Solomon. L'obéissance, comme vous le voyez là, demandez-lui le mot de passe que papy a, toi et papy, c'est lequel? L'obéissance vaut mieux que... Voilà. Le grand problème avec les gens, frères et sœurs, c'est l'obéissance, la soumission. Mais dans Esther, c'était qu'elle, c'est pas qu'elle fabriquait, non, depuis toujours. Quand elle est arrivée maintenant devant le roi, toutes les autres filles, là, étaient des fatakras, on laissait passer. Mais les deux eunuques du roi, ils ont regardé Esther. Ils disent, Esther, viens. Quand tu vas passer devant le roi, ne fais pas les patakras, cherchant, etc. Non, suis ce qu'on t'a dit. Fais exactement ça, 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 ça. Quand elle est arrivée devant le roi, elle a fait exactement ce que les deux eunuques lui ont dit de faire. Alléluia. Et vous savez, de toutes les filles là, qui ont fait tous ces patakras, saucissonner, tout ça, montrer qu'ils n'avaient pas de caractère, en fait. Je sais que ça vous blesse, mais bon, vous devez savoir. Parce que ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire, sœur, pourquoi vous voulez vous vendre comme une viande qui est pourrie sur le marché et qui n'a pas de clients? On commence à brader les prix, chasser les mouches et tout ça. On brade les prix. Hein, Alors on dit, venez ma viande, elle est bonne. On met un peu du rouge, venez ma viande, elle est bonne. Mais on voit les mouches, on dit, mais venez ma viande, elle est bonne. Mais elle était à 10 euros, je vous la vends à 3,50 €. 3,50 €. Pour la faire partir vite. Vous n'avez pas besoin. Ne mettez pas la viande qu'on brade sur le marché. Vous êtes des princesses. Amen. Des filles de Dieu. Amen.
Vous n'avez pas à vous laisser brader. Demeurez ferme. Dieu agit. Il prend soin de ses enfants. Vous n'avez pas besoin de pouvoir copier. Bon, nous terminons ici. Nous prions. Quiconque, donc, il ne peut pécher parce qu'il est de Dieu. C'est par là, maintenant, je termine par là, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en ton divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse